Ah, il avait envie de vous revoir. Voici Robert Fourcroy. Bonsoir, monsieur Fourcroy. Bonsoir. Comme Fabrice, faisiez partie de la bande du drugstore? Non, moi je faisais partie de la bande du Félix Potin. C'était standing un petit peu en dessous, mais voilà. Mais c'était quoi les journées de Fabrice dans la bande du drugstore, vous savez quand même? On peut expliquer, il se retrouvait un petit peu en bande, saper le blazer, le Shetland, tout ça avec un... Voilà. Alors que le principe de la bande du Félix Potin, c'est qu'en fait, on se retrouvait au siège social des magasins Félix Potin. Et le principe, c'était de se raconter des potins sur les gens qui s'appelaient Félix. Voilà. Alors c'est n'importe quoi. Oui, c'était pas très... Donc on disait par exemple, tiens, t'as vu, Félix Faure, il a encore fricoté. Bon, non, évidemment, c'est pas très drôle parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Ah oui. C'est-à-dire que Félix Faure, qui était président de la République, et c'est pas M. Zemmour qui va me contredire, était connu pour avoir des mœurs un peu légères. Et d'ailleurs, il est mort comme ça. Voilà, il a été retrouvé à l'Élysée, mort dans les bras de sa maîtresse, Marguerite Stenel. Ouais. Et d'ailleurs, quand je dis dans ses bras, qu'il est mort dans sa bouche. Voilà. Hein, voilà. Ouais, vous connaissez le mot de Clémenceau? Oui. Il a voulu être César et il est mort pompé. Ah oui, oui, c'est ça. Oui. Ce qui a valu d'ailleurs, oui, exactement. Ce qui a valu le surnom à Marguerite de pompe funèbre également. C'est Clémenceau qui... Ouais. Alors, on s'amusait bien dans votre bande, je vois. Oui, oui. C'est-à-dire qu'à part Alain Decaux, personne ne pouvait saisir la teneur de nos blagues. Hein, Est-ce qu'elle existe encore, cette bande, alors? Non, avec la fermeture des Félix Potin, ça a périclité. Et celle du drugstore, c'est une bande concurrente? Non, parce que je le disais, eux, ils étaient quand même la classe. Hein. Lui, il avait son petit blazer, le Shetland, les Church aux pieds. Oui. Ah, oui. Les Church, les Sheetwin, les Between, c'était l'obsession de la bande du drugstore, c'est d'accéder à la chaussure de riche. Oui. Puis alors le soir, ils allaient dans les nightclubs, le Tabou, le Roméo, tout ça. Absolument. Oh là là, nous on rentrait pas là-bas. Puis surtout, c'est-à-dire que lui, il faut savoir qu'il travaillait chez Lorca, un salon de coiffure avenue Matignon. Mmh. Et alors, forcément, lui croisait les stars. D'ailleurs, il a fait les nuques de Joe Dassin, je crois. Oui, absolument. Il y avait plein de people là-bas. Il y avait Sylvie Vartan, Marlène Jobert, tout. Alors nous, on était quand même. Vous coiffiez Marlène Jobert? Non, j'assistais à ses épilations. Je veux pas du tout vous voler la vedette, mais j'ai assisté à l'épilation du pas du maillot, mais quand même j'ai été très. On me prenait même pas pour un objet sexué parce que elle se déloquait et on le mettait de la cire. Moi je l'ai raconté 100 fois. Vous faisiez quoi à l'époque pendant qu'il était? Alors moi je travaillais dans un pressing, mais moi aussi j'avais des people. Hein. On avait notamment Jean-Pierre Mocky et je peux vous dire que quand il nous emmenait ses costumes, il y avait du travail dessus. Hein. C'était quand même Et quand Fabrice était fatigué au salon, qu'est-ce qui se passait? Alors ça c'est vrai. Je me rappelle que Fabrice, quand il était fatigué au salon, il suçait son pouce. C'est vrai. Oui, c'était très amusant ça. Et moi aussi d'ailleurs, je sais pas, j'avais une habitude au pressing. Quand j'étais fatigué, je suçais les cols de chemise des clients. Ah oui. Ouais. Et un jour, je suis tombé sur la chemise de Michel Galabru et j'ai eu des nausées pendant 3 jours. ça a été très très dur. C'est con. Ouais. Mais comment vous savez qu'il suçait son pouce au salon? Parce que le pressing dans lequel je travaillais, en fait, travaillait pour Lorca. Donc le soir, j'allais chercher les blouses des coiffeurs et je les ramenais le lendemain matin. Et c'est là qu'en arrivant, moi, je restais tapis dans l'ombre, je l'observais, j'étais fasciné par Fabrice parce qu'il avait déjà cette gouaille, cette façon de parler. Il avait son vocabulaire. Les clientes, il les appelait les angoissantes. C'est vrai. Hein? Et puis il disait, par exemple, quand elles étaient énervées, il disait, elles font des crises de simplicité. C'est vrai? Ah oui, à la place des... Vous faisiez rire les clientes? Oui, vous faisiez rire les clientes. Moi aussi, je faisais rire les clients en pressing. Hein, avec des blagues un peu plus potages. Par exemple, je me rappelle qu'un jour, Philippe Bouvard est venu récupérer son sac de couchage. Ouais. Et à la place, je lui ai rendu une chaussette de Guy Carlier. il s'est rendu compte de rien. Et aujourd'hui encore, il dort dedans. Hein. Est-ce que c'était... Non. Est-ce que c'était un séducteur? Séducteur? Ah ouais. Oui, il était séducteur. Je me rappelle notamment d'une de ses fiancées, une Allemande qui s'appelait Gabrielle. Tu te souviens de Gabrielle? Oui. Elle gardait des enfants, c'est ça? Voilà, c'est ça, une Allemande, oui. Et on avait fait un truc à plusieurs. Ah bon? Non, mais affectif, hein, du fleur. Ah oui. C'était pas une partouze épouvantable. Ouais, non, parce que c'était pas, là. Pas une tournante. Hein. Non. Et déjà, il aimait les Fables de La Fontaine à l'époque. Les Fables de La Fontaine. Ah bah oui. C'est-à-dire que déjà au salon, il récitait les Fables de La Fontaine. C'était magnifique. Et c'est là que moi-même, il m'a donné le goût de La Fontaine. Et d'ailleurs, je me suis mis en tête très, très humblement. Grâce à lui. Grâce à lui, parce que vraiment, je trouvais ça formidable de poursuivre l'œuvre de Jean de La Fontaine. À mon humble niveau, bien sûr. Vous-même, d'écrire des fables. Vous êtes fabuleux.
fabuloniste. Oui, enfin non, c'est-à-dire que je suis fabuloniste. Parce que comme je travaille dans un pressing, j'écris mes fables en repassant les vêtements des clients avec du fabulon. Et donc, d'où l'idée de me créer un statut de fabuloniste, qui est beaucoup plus humble, si vous voulez. Voilà. Donc, évidemment, la longueur de la fable est fonction de la taille du vêtement. C'est-à-dire que si je repasse un pantalon d'Adriana Carambeu, la fable peut faire 3 pages. Alors que si c'est un pantalon de passe-partout, ça va faire 3-4 vers. Voilà, c'est forcément... Ça donne quoi, ces fables, pour savoir? Par exemple, c'est-à-dire que moi, comme Jean de La Fontaine, je veux traiter des travers de notre société. Donc, par exemple, j'ai écrit « Le Rottweiler et le bébé ». Le Rottweiler et le bébé. Voilà, ça je peux vous le raconter. Oui, mais c'est pour dénoncer. Par exemple, « Le Rottweiler et le bébé ». Donc, le Rottweiler, n'ayant rien mangé de la journée, se trouva fort embêté en voyant le bébé. « Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ? Trop tard, il a déjà avalé. Voilà. » Mais... Elle est très courte. C'est très court. Non, mais je suis d'accord. Non, mais ça dérange, mais si vous voulez, c'est pour dénoncer la folie de ses parents qui ont... Voilà, bon. Bien alors, sûr. Toujours pareil, je m'inspire de l'actualité. Par exemple, j'ai... D'autres fables ? Oui, j'ai écrit « Le panda, la jeune fille et la croix ». Ça, c'est pour parler de Geneviève de Fontenay et Miss Réunion. Oui. Et puis, la toute dernière que j'ai écrite, qui est très simple, qui s'appelle « Le mannequin et le président ». Le mannequin et le président. Le mannequin et le président. C'est une fable que vous pourriez nous lire ce soir ? Oui, je l'ai emmenée. Je... Alors, Fabrice, évidemment... vous qui aimez les fables. Ah oui, on est très très loin de... De La Fontaine ? Oui. Mais vous rêvez un jour de monter sur scène pour les dire, vous aussi, j'imagine ? Pas après ce soir. Le président et le mannequin. Le mannequin et le président. Quand petit homme arriva enfin au sommet, il avait tout gagné. Amour, gloire et beauté. Mais un matin, sa dame prit son sac Prada et dans une autre couche, sans mot dire, qu'on vola. Petit homme au sommet devint très énervé et remuait l'épaule toute la journée. Il prit vengeance avec un mannequin réputé et lui tint à peu près ce langage. Hey, « Eh, bonjour, madame qui chante faux. Comme vous êtes jolie, comme vous montez haut, permettez, avant que je vous embrasse, d'aller chercher un escabeau. » Formidable! Ah non! Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez? On est au-delà de La Fontaine! Non, ce qui est beau, c'est d'abord le travail. C'est d'y croire, c'est comme eux, c'est-à-dire que Non, et c'est surtout le grand client, l'immense oui. client Ruquier. C'est-à-dire, il a quand même une chose qui est rare, c'est qu'il adhère. Alors, ce qui était beau, c'est la singularité des réactions. Ah bon? Il y en avait qui étaient gênés, d'autres qui riaient, franchement. Ouais. Et c'est étonnant comme vous provoquez des choses différentes. Et à chaque fois, Ruquier est avec vous. Et ça, c'est un très beau concept nietzschien. Il ne lâche jamais l'affaire. Ah ben, c'est gentil, Et c'est pas du tout... Je suis le Rottweiler de cette émission. Vous êtes quelqu'un de... authentiquement, on aimerait vous avoir comme partenaire, comme on aimerait vous avoir comme partenaire. Ah ben... Vous étiez content quand même de revoir Robert Foucroy. Vous êtes prêt à faire les premiers vers du misanthrope? De les dire? Non, mais comme ça, juste pour se dire au revoir. Pas vous, je ne vais pas vous congéder, ce n'est pas mon boulot. Ah non, mais c'est lui le patron. C'est-à-dire que moi, je connais peu... Non, mais c'est juste pour créer une petite ambiance, parce que je ne veux pas essayez. Que vous ayez l'air... Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? C'est beau aussi, ce regard. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être contre vous. Vous faites un boulot remarquable. Citation pour citation, 100% des gagnants auront tenté leur chance. Vous pouvez applaudir Jonathan Lambert.